Technique de communication. Épisode 2. Dans le premier épisode, un des trois techniques de la communication, je t'ai posé la question. Veux-tu un exemple? Imaginons que tu veux partager ce grand classique. Entreprendre, c'est difficile. Tout le monde le sait déjà. C'est le niveau zéro. Pour passer au niveau plus 1, avec un soupçon de précision, ça donne quelque chose comme ça. Tu démarres avec ton argumentation d'Elon Musk. Entreprendre, c'est comme marcher sur du verre pilé. C'est bien mieux, non? Ensuite, tu passes à une anecdote croustillante. La troisième fusée d'Elon a explosé, entraînant des pertes de 45 millions de dollars, la ruine, un divorce, des investisseurs qui l'abandonnent. Il est dos au mur, mais contre toute attente, il s'en sort. Malheureusement, un tiers de ses employés ont connu des destins tragiques en cours de route. Et pour couronner le tout, tu incluses une statistique de Harvard ou Stanford sur le taux de suicide chez les entrepreneurs. Bingo, le message reste le même, mais maintenant c'est plus captivant. Sais-tu pourquoi? Parce que la manière dont tu choisis de transmettre ton message fait toute la différence entre un bâillement et une standing ovation. La précision chirurgicale dans ta communication est ton arme secrète, alors ne la néglige pas. Tu veux faire passer ton business au niveau supérieur ?